Ce samedi sur la première page de sport, c'est surtout Lewandowski qui est mis en avant. En effet, pour le quotidien catalan, le Polonais est bien parti pour briser des records établis par Lionel Messi. Le serial buteur a trouvé 11 fois le chemin des filets en 10 rencontres. Il est proche des débuts signés par Romario et Ronaldo Fenomeno. L'ancien Bavarois a marqué 46% des buts du Barça en championnat. Romario à la même période était à 54,5% et Lewandowski à 36,6%. Sur ce rythme, il pourrait battre le record de la Pulga en championnat selon les journalistes espagnols. Il avait fait trembler 50 fois les filets en Liga lors de la saison 2011-2012. On apprend que le clan Haaland souhaite faire grimper la côte de leur prodige. Lors d'un entretien accordé à Sky Sport, Rafa Lapimenta, l'agent du joueur, a prédit un transfert à 1 milliard d'euros pour Erling Haaland. Si on regarde la valeur de son image, de son impact sur le marché, il sera le premier joueur à atteindre près d'un milliard d'euros lors d'un transfert, a estimé la représentante du Norvégien. Impossible encore d'imaginer quel club sera capable de mettre autant sur la table. Le Real Madrid rêve de recruter Haaland dans quelques années, mais seule une superpuissance économique pourrait se l'offrir pour un chiffre avec 9-0. Lundi soir, l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema est devenu le cinquième joueur français à remporter le Ballon d'Or après Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Michel Platini et Zinedine Zidane. Ce dernier l'a d'ailleurs dirigé chez les Merengues entre 2016 et 2021. Dans un entretien accordé à France Football, l'international tricolore n'ose pas se comparer à ses idoles. Son ancien coach ZZ et le double lauréat du Ballon d'Or, Ronaldo Nazario, 1997 et 2002. Un artiste, dans ce que je fais, oui. Après, ça ne regarde que moi. Tout ce que je fais, même une simple passe, un simple mouvement, c'est en fonction de ce qui peut se passer derrière. J'ai grandi avec le foot des artistes, Zizou et Ronaldo. Malgré tous les grands joueurs qu'on a vus depuis, c'est d'un autre niveau. Par ce qu'ils ont fait, Cristiano et Messi sont aussi des artistes, tu ne peux pas faire comme eux, a déclaré le buteur de 34 ans.